Positionner yo sous phénomène insécurité dans le pays d'Haïti, c'est principal attention à revendication yon ensemble organisme tant que Justice et Solidarité JS, Action Universelle Droit et Liberté yo ak UDL, Organisation pour soutien enfance ak Vio OCV, Organisation Lumière dans la vie femme OLAF, Action concertée pour promotion ak défense droit moun yo ak PODH, Observation haïtien droit moun yo OHDH ak Association nationale juriste haïtien ANAJU qui fait alliance comme organisation défense promotion ak protection droit moun organisé vendredi 10 juillet 2021 yon chita pale nan lokal yo ki trouvé nan commune Delma nan l'idée pou bay dizon yo sou konjonkti peyi ya incapacité ou bien complicité l'état haïtien avec différentes associations gang sur tout territoire pays d'Haïti ak différents recommandations avec l'État sous quelle que soit institution CSPN, Police nationale d'Haïti et la Trier. Coordonnatrice organisation Lumière dans la vie femme, Marita Charlot, dit au constaté en pile brutalité policière dans dispersé sitting manifestation qui cause plusieurs victimes, responsable a dénoncé qui pas rentré dans cadre professionnalisme institution Police nationale d'Haïti. C'est deux sitting qui était fait tout récemment avec des groupes Petro Challenger devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et avec brutalité, la police a écrasé avec gaz lacrymogène. Nous avons constaté deux jeunes qui ont couru par-ci par-là en bas gaz lacrymogène avec deux tirs, la police nationale. Là. Alors que nous pratiquement vivons dans sa vente, côté deux jeunes qui sont dans le quartier populaire, yo, armés. Et la police replie pour laguer la société à voir une image que personne n'a nous comme citoyens et comme défenseurs des droits humains n'est pas capable d'expliquer. Selon responsable alliance organisation Sayo, yo dit au constaté pouvoir en place là livrer pays à bay gang pour faire ça yo vle dans population en yon pratique antidémocratique pour promotion ak défense droit moun yo Fritznel Joasil déploré pendant le mandat premier ministre Joseph Jout ak directeur général à IPNH la Normil Rameau explication sous Genève en famille et allié a. Est-ce que Genève en famille et allié c'est en unité encore une fois dans police nationale la police que nous-mêmes peuple haïtien que nous te bataille nous te goumen pour que pour te mettre sous pied. Et si Mini Jout lui-même et Normil Rameau pas identifié que Genève là c'est allié police nationale là, donc nous dit que faut lui déclarer clairement, faut qu'il pas passer par quatre chemins. Donc jodi an ça que n'a vive là, dans situation difficile que pays a trouvé le journée jodi an. Donc nous estimer que population impatient, li pas attendre encore, faut responsable, faut dirigeant ou ba nous explication par rapport avec ça qui passé l'autre jour. Cependant, yon nan mam alliance organisation yo à la fois représentant observation haïtien droit moun yo, M. Jean-Ronel Sistanis, plaide en faveur diverses mesures qui ta doué adopter pour établir la paix pour permettre population haïtienne nan évacuer ak activité yo. Toutefois, Genève en famille et allié pa yon nan unité PNH la. Si Genève la pa yon nouvelle unité en PNH la, c'est pas nouvelle entité en dans PNH la. Pour que l'y adopte des mesures pour établir la paix et permettre à la population d'évacuer librement en toute quiétude à ses activités. Parce que le constat aujourd'hui, nous rendons compte que ce sont les différents groupes armés qui éparpillés à travers le pays qui décidaient qu'il y a bloqué et qu'il y a fait trêve. Donc c'est-à-dire que l'État n'a pas gagné contrôle pays. Question Genève en famille et allié yo, c'est une nouvelle formation plusieurs chefs base dans divers quartiers populaires dans le département l'Ouest là qui choisit mettre tête ensemble pour établir la paix et puis pour faire passer diverses revendications sociales, mais ça pas empêcher zamyo toujours kembe en bas main yo qui c'est une observation plusieurs secteurs dans société haïtienne. Luc Albert Beaubrun, Megastar.